Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PvP avec le Kra, qui est une classe que je joue pas particulièrement beaucoup. Donc on affronte un Yop qui m'a l'air d'être full agi. Donc X puissance, il va sûrement préparer un gros tour 2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire critique. Je prépare la maîtrise, je pense, pour le prochain tour. Ça pourrait être efficace. On va double harcelante. Et on va reculer. On va garder les boosts pour le tour 2. Donc je joue en Strigide Triton avec un arc assez old school qui est l'arc Tangente qui a 3 lignes de dommage et du coup bah j'ai mis deux feux de glace et les autres deux feux sont ici présents. Donc on joue un stuff full dommage critique. Alors une friction. Et via mon cac, il me précise. Enfin il se précise pardon. Du coup il a 7 PA. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Une fracture pour m'éroder. Ok, il lui reste 3 PA. Et il fait un anneau destructeur. Ok, bah du coup, nous, on va maîtrise de l'arc. On marque tangente. Qui crit à 1200. Prop. Et on va flèche de recul et on va fuir ici. Qui a fait des bons dommages d'ailleurs. Alors, un arc 167. Isvita, il va peut-être contourner et fuir. Ah non, il rush. Une double jugement. Ah ouais, qui met des bons dommages. Je pense qu'on va le tuer. Alors, on va lui mettre un coup d'arc tangente. Est-ce que ça crit? 1600. Impeccable. Une flèche de recul. Et une flèche persécutrice qui devrait finir. Impeccable. Bon bah, on va se reposer au combat vu que celui-ci est très rapide. Alors, on est parti bah, pour un second combat. On affronte un Yop qui joue également bah, en nébuleux. Alors on va tir éloigné, tir critique et mettre une double harcelante, je pense. Alors, la harcelante qui crit, la deuxième aussi. Et on va reculer. On n'a pas besoin de trop s'exposer. En plus, l'arc tangente a une très grande portée, de 2 à 8, comme on peut le voir. Alors c'est peut-être un Yop feu. Il pose sa destin, il bond. Il se place ici. Ça me gêne un petit peu. Je pense qu'on va le disper. On va le dispé, on va se maîtrise et on va commencer à le roxer. On va lui mettre un coup de cac. Alors, est-ce que ça crée? Bon, ça a créé de toute façon, la question ne se pose même pas. On va se mettre ici, je pense. On va éviter de se poser là parce qu'on pourrait se bloquer. Alors, il reste 1900 points de vie. Ok. Normalement, je devrais pouvoir le toucher s'il se passe ici. Il me bond. Ok, pourquoi pas. Et peut-être m'enlever mes PM. Isvita et Is puissance. Ok. Bah pourquoi pas, hein. Ça me dérange pas du tout. Non là absolument pas. Je vais le flèche de recul et je pense qu'il devrait partir à Tatooine. Son placement n'est pas le plus opti là parce qu'il a dû se placer ici je pense. Ça m'aurait plus handicapé parce que là je vais le retirer vraiment. Je vais le mettre vraiment très loin pour le coup. Et il devrait pas pouvoir me toucher. Alors, je lag ou pas? Non je lag pas. Il se place ici. Ouais, c'est déjà un placement un peu plus. Un peu mieux. Le crit à 1900 et on devrait le finir. Voilà, on le finit. Bon bah du coup bah on va se retrouver pour un deuxième combat vu que celui-ci pardon était également très rapide. Alors on est parti bah, pour un troisième combat. On affronte un Xelor qui a de bonnes résistances terre. C'est dommage pour nous ça pourrait nous embêter. Alors il pose un synchro. Ouais bah il la met en ligne de vue de nous. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on va la tuer bah, dès ce tour-ci. Je veux lâcher mes flèches de rédemption et me booster, je pense. Alors, est-ce qu'il joue en Dofus nébuleux? Non, il n'y a que moi. On va tirer critique. On va mettre les flèches de rédemption. Bon, je pense qu'on la tuera. Hein. Et on la finira bah, avec une flèche glacée, tiens. Et on va reculer. Du coup, comme ça, bah, il perd un petit PA à cause de la synchro. Il va peut-être me rush ce tour-ci. Alors. Il va peut-être poser une KO de cette épée et venir à mon corps à corps. Mais son complice. Ok. Il se TP bah, comme prévu. Jusqu'à là, tout est normal. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il reste 9 PA. Il n'a pas l'air de jouer R. Il met une aiguille donc il joue feu. Ok. Il met des très bons dommages d'ailleurs. Il m'enlève 2 PA avec le sabier du Xel. Ça c'est assez embêtant pour le coup. Alors. On va maîtrise de l'arc et on va lui mettre bah, un coup de corps à corps. Un coup d'arc tangente.
et reculer. Le petit coup d'arc en crit à 1171 qui fait des bons dommages. On va fuir en espérant que il vienne à mon corps à corps pour me rush. Et c'est ce qu'il fait. Alors il me floue. Ouais, il va essayer de m'enlever le maximum de PA pour pas que je puisse le taper vu que je suis en tour nébuleux. Ça serait compréhensible. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Une démotivation. Ouais, ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a pas débuff. Vu que j'ai pas de téléfrag sur ma tête. Il nous fait une poussière. Et il suit. Ok. Et il me fuit également. Alors j'ai 9 PA. Je pense qu'on va le pousser. On va lui mettre une flèche de recul. Même si avec la fuite, il reviendra normalement à sa case initiale. Le coup d'arc en CC qui crit. Normalement, il devrait revenir ici. C'est ça. Il va peut-être se mettre devant nous pour nous gêner. Ouais, c'est ce qu'il va faire sûrement faire. La 13 PA. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va peut-être mettre. Je sais pas trop, est-ce qu'il est encore à corps? Vu qu'il a pas utilisé de cac. Je pensais qu'il jouerait avec l'arc corrompu, mais même pas. Il fait péter sa synchro. Ok. Là, 10 PA. Un coup de plumeau. D'accord. Pourquoi pas. On va le mettre une flèche cinglante. Il met son complice. Il met une aiguille qui m'enlève un petit PA. Mais on le reprend. Donc parfait. On va l'enflammer. On va mettre la deuxième enflammée. Et on va lui mettre du coup un coup de corps à corps. Qui va le finir. Impeccable. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo. C'était Keys. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.